Et salut à toutes, salut à tous les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 11 sur Resident Evil 6. On continue la campagne de Léon dans la dernière vidéo. Donc, Léon et Elena sont arrivés en Chine, non sans mal d'ailleurs. Ensuite, ils ont rencontré Chéri Birkin, qui est devenue une agent au service de Simmons. Et Chéri avait appris à Léon et Elena qu'elle avait un rendez-vous à un bâtiment dans quelques minutes avec Simmons. Donc ils se sont séparés et Chéri a quand même eu le temps de donner le lieu du rendez-vous à Léon. Et pour arriver à cet immeuble, eh bien Léon et Elena ont dû traverser un marché où ils ont fait la rencontre de créatures qu'on pourrait apparenter un petit peu à des régénérateurs dans le sens où ils sont quasiment invulnérables, puisque même si on peut s'en débarrasser brièvement, eh bien ils se régénèrent et reviennent entre guillemets un petit peu à la vie. Donc ça serait quand même gâcher des munitions que d'essayer de vraiment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. On a quand même réussi à traverser ce marché. Ensuite, on a vu Ada, on l'a suivi, on a dû échapper à quelques pièges, on est tombé à couteau tiré, vraiment dans, ouais, voilà, dans une situation vraiment à couteau tiré avec Léon, Elena et Chris Redfield, voilà, qui apparemment était aux trousses de Ada. Ada a réussi à s'enfuir. Et donc Chris a continué sa quête de Ada, tandis que nous, avec Léon, eh bien, on est allé donc au point de rendez-vous avec Simmons. Chéri et Jake sont arrivés et tout est parti un petit peu en, ouais, en cacahuète, on peut dire. Alors. Ça, est-ce qu'on peut changer? Ah non, on peut améliorer ça, c'est quoi ça? Ouais, on peut améliorer. Voilà. Les armes. Kevlar, on peut améliorer ça. Non, ça coûte 80 000. Transformateur. Ajoute un zoom supplémentaire à la lunette du fusil sniper. Non. Non. La visée n'est plus affichée, mais plus. Ok. Augmente la jauge d'endurance de 3 blocs. Ok, mais après ça coûte un petit peu cher tout ça. Vous vous libérez plus facilement si un ennemi vous attrape. Alors le truc c'est que, voilà, on a qu'un truc d'habileté, on peut en mettre que 3. Donc on peut pas. Voilà, on peut pas faire un petit peu tout et n'importe quoi. Vous obtenez plus de munitions NATO, vous obtenez plus de, pour les fusils de calibre 10 et 12. Ah oui, d'accord. Bon, finalement. Voilà, on va laisser ça comme ça. On va continuer, nous sommes sur le train. Puisque on est donc, comme je vous le rappelais, à la poursuite de Simmons. Et Simmons s'est entre guillemets fait avoir puisque quelqu'un lui a injecté un produit. Et il a l'air de. Voilà, de changer un petit peu. En tout cas de pas être bien. Et Chéri a également donné une petite puce à Léon. Où apparemment, eh bien, il y aurait des informations qui pourraient arrêter le virus. Il doit pas s'enfuir. T'inquiète pas, on va en Alors, finir. On a quand même une, comment dire, un spray de premier secours, si jamais les choses se gâtaient. On vous aura, Simmons. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Ah, une herbe rouge, je voudrais bien la prendre.
Ah, ça, les soins, on va... On va faire en sorte de... d'en avoir le plus possible. Je vous donne seulement ce que vous m'avez donné, rien de plus, Simmons. Au début, vous aurez peur. Mais n'ayez crainte, vous devenez juste le monstre que vous avez toujours été. Comme tous les êtres humains sur cette planète. Rendez-vous, Simmons! C'est terminé! Vous me poursuivez alors que cette femme est en fuite! Quelle femme? Cette traîtresse, Ada Wong! Qui sait ce qu'elle nous prépare? Il y a une autre équipe à sa recherche. Mais vous, Simmons, vous êtes à nous. Vous êtes là pour venger le président, c'est bien ça, imbécile. S'il avait dévoilé la vérité sur Raccoon City, les États-Unis auraient perdu toute crédibilité et l'équilibre politique mondial se serait effondré. Pour éviter un désastre potentiel, vous en avez causé un autre, peu importe le nombre de victimes. Il fallait l'arrêter! Il menait mon pays et le monde au chaos total. Cette garce, comment a-t-elle pu oser me faire ça? Ah, il y a quand même un hélicoptère qui nous suit là. Ah bah oui, d'accord. Il faut qu'on reste à distance tant que c'est possible. Okay. Va au diable! Allez tous les deux au diable! Je vous tuerai de mes propres mains! Maintenant, non? Trop rapide! On doit l'attaquer de l'autre côté! Je crois qu'on peut arriver à monter par ici. Je vais vous massacrer! Okay. Allez, on s'avance. Alors, apparemment, on peut. Allez, apparemment, je peux réussir à monter par ici. Pas tout compris. Ah! Ok! Okay. Elle okay. Est là! Aide-moi! Qu'on l'a tué?
Léon! Léon, ça va? Évidemment que c'est pas encore fini. Léon! Ah. Il te fonce dessus! Descends des trains! Je vais l'occuper! Ah, raté. Léon ! Ok, pas de soucis. On se la refait. Léon, cours ! Il te fonce dessus ! Descends des trains ! Je vais l'occuper ! Quoi ? Non, mais... Je fais que courir depuis le début, là ! Ah, mais ça y est, ça va être des morts vraiment abusés. Il te fonce dessus ! Descends des trains ! Je vais l'occuper ! Mais non, mais monte pas là ! Ouais, mais la caméra, elle est pas... Elle est... Franchement, elle est mal faite, la caméra. Pourquoi avoir la vue comme ça, alors que... On pourrait... Continuer à avoir la caméra comme elle est d'habitude en fait. Léon, par ici. Voilà. Léon, vite. Voilà, on va pas se cacher de... Ça, d'ailleurs, on a eu notre santé qui est revenue à... C'est vraiment action de chez Action. Ah oui ? Ah d'accord, il a autant de force que ça ? Ah oui, donc là il va faire pareil. Simmons ! Voilà, fallait juste tirer au bon moment et toucher. Laissez-le.
reste que ma famille m'abandonne. Pour les mettre à l'abri. Ok. Bon, on a survécu. Simon, ça a l'air de s'en être débarrassé. Tu crois qu'il est mort? Je sais pas. Mais on a fait ce qu'on a pu. Allons-y. Alors, on peut pas recharger ni rien. On évacue. Simple précaution. On peut dégénérer à n'importe quel moment. Ils sont dans un champ pétrolifère sous-marin à une centaine de kilomètres de vous. Enlevés ? Pourquoi ? Les dossiers. Ce qu'elle nous a donné. Mais attends. C'est la clé pour arrêter le virus C, c'est... Jake. Hannigan, vérifie s'il existe une unité du BSA près du champ pétrolifère. Un instant. Chris, on est devant Tachi, pourquoi ? Barrez-vous d'ici ! Bah c'est la merde, on peut le dire. Très très bien, donc fin du chapitre 4. Donc la clé apparemment pour arrêter le virus UC, ça serait le compagnon donc de Chéri, Jake Mueller. On a vu son nom de famille, hein, Jake Mueller. On a su donc qu'ils étaient enfermés dans une station pétrolifère, enfin pétrolifère ou pétrolière, derrière sous-marine. Et bon, on va certainement devoir aller les aider. Très très bien. On a tout ça, on avait déjà vu.
Et donc le virus C qui a été lâché apparemment. Et c'est le chaos, comme Atolox. Léon ! Léon, tout va bien ? Ouais. Mais on a un problème. Et un gros. Et merde ! Chris, écoute-moi. Il faut que tu sauves deux otages sur un champ pétrolifère sous-marin. L'agent Sherry Birkin et Jake Muller. Peter Wesker. Wesker ? Chris, il a les anticorps du virus C. Bien reçu. J'y vais. Ok, merci. Léon, attends. Il faut que je te dise quelque chose. Ada Wong est morte. Ok. Aide Sherry et Jake. C'est primordial. Est-ce que ça va? Il faut qu'on trouve les survivants et qu'on se tire d'ici. Écho à QG, vous me recevez? QG à Écho, bon rapport. Hé! Hey, mais qu'est-ce que vous foutez là-bas? On doit évacuer, allez! On a détecté des traces du virus C dans le gaz. C'est le même gaz qui s'est répandu à Tolox. C'est le bordel, Atachi. On essaie de calmer les choses, mais... Ah, merde! Très très bien. Bon bah écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura eu des... comment dirais-je, on aura eu des révélations. Jake Muller qui se révèle être le fils d'Albert Wesker. Ada Wong qui serait morte. Bon. Pas mal de choses à voir. Mais on continuera la prochaine fois. Cette vidéo sera un peu plus courte. Mais parce que ce qui va suivre va, je pense, être un petit peu long. Donc je préfère prendre le temps de tout vous montrer comme il fallait. On va prendre notre temps. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit commentaire, l'abonnement, tout ça, vous connaissez la chanson. Je vous dis à très très bientôt les amis. Portez-vous bien, ciao ciao.